Bonjour, j'en suis aujourd'hui une activité pour dessiner un tamanoir. Alors, on commence par faire la tête qui descend comme ça, et puis un dos tout rond. Ensuite, on va lui mettre ses yeux, un œil et un autre œil, une oreille ronde, une autre oreille. Et on va délimiter son petit museau en bas comme ça. Ensuite, on va faire ses pattes. On va faire une patte avant, une deuxième patte avant, une patte arrière et une deuxième patte arrière. Comme c'est un animal un peu poilu, on va faire des petits zigzags comme ça pour l'arrière des pattes, le ventre. Et on va rajouter, toujours en zigzag, une queue au tamanoir, un petit peu de poil sur le dos. Quelques rayures, hop. Ça, comme ça, et voilà le tamanoir qui a sa tête au ras du sol. On pourrait faire sortir la langue collante qui sert à attraper les fourmis. Pour le colorier, on peut utiliser du marron, différentes teintes de marron. Pour avoir du marron un peu plus foncé, la truffe en marron foncé, la queue aussi en marron foncé, si on a d'autres marrons. Avec un marron plus clair. On met en couleur notre tamanoir en fourrure marron. Et voilà le tamanoir. Il reste plus qu'à le découper. Ensuite, on l'accroche un petit bâtonnet ou une petite spatule. Et ensuite, on a notre marionnette de tamanoir. À vous!